Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit les éléments de l'équipe nationale de football et les félicite plutôt pour le succès mérité qui a honoré tous les Mauritaniens. Démarrage du grand concours Ramadan dans les sciences du Coran, du Hadith et de la Sira au profit de milliers de candidats. Poursuite des visites sur le terrain de certains membres du gouvernement pour s'enquérir sur l'état des citoyens à l'intérieur du pays. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a tenu cet après-midi dans la salle des conférences du palais présidentiel une réunion avec l'équipe nationale de football, les Mourabitoun, et son entraîneur Patrice Neveu. Au cours de la réunion, le président de la République a félicité l'équipe nationale pour l'excellente victoire remportée face à l'équipe du Sénégal et qu'il a qualifiée pour les phases finales de la CHAN 2014 des locaux. Le président de la République a appelé à la préservation de cet acquis qui constitue une rupture avec l'époque des échecs douloureux des Mourabitoun durant les dernières décennies. Le président de la République a estimé que la victoire des Mourabitoun est un honneur pour tous les Mauritaniens et une source de joie à l'intérieur de tous les foyers. Le chef de l'État s'est ensuite photographié avec l'équipe nationale. Il a aussi reçu des mains du président de la Fédération mauritanienne de football, le fanion de ladite fédération, comme signe de reconnaissance de la part des responsables de la fédération pour l'intérêt accordé par le président de la République au football mauritanien. Intérêt qui a permis d'aboutir aux excellents résultats réalisés par les Mourabitoun. La réunion s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, M. Isselkoul Ahmed Izidbi, de M. Abdallah El Ahmed Damou et M. Abdelrahman Sissoko, respectivement chargés de mission et conseillers à la présidence de la République, ainsi que du président de la Fédération mauritanienne de football, M. Ahmed Ouli Yahia. Le match qui a opposé notre équipe à son homologue sénégalais a inspiré les sentiments de ferveur et des milliers de Mauritaniens qui ont savouré les 90 minutes de la compétition et même après la fin du match qui a conduit nos 11 locaux à un succès sans embâge. Cher Nacher Sadou. Ce sont là des moments à marquer d'une pierre blanche pour le foot mauritanien. Un coup de sifflet qui a délivré tout un peuple. Ces images en disent long sur la joie des supporters et sur l'importance de cette qualification. Une qualification à laquelle ces supporters ont joué un rôle considérable. Ils n'ont pas arrêté de soutenir et de booster les Mourabitoun, un soutien qui va apporter son fruit à la 45e minute de la première mi-temps. El Khalil Ould Ahmed Di Bassam marque le premier but et remet les deux équipes à égalité sur les deux rencontres. Les deux entraîneurs semblent comprendre que tout devient possible. Le coach sénégalais était venu pour conserver l'avance qu'il avait et jouer la défensive. Mais c'était sans compter avec Patrice Neveu, coach des Mourabitoun, qui était déterminé avec ses poulains à rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il fallait attendre la 58e minute pour que Bassam donne une passe décisive à Mohamed Taqiyullah Ouldane, qui marque à son tour le but de la victoire. Un but qui ouvre les portes de la CHAN qui va se tenir en Afrique du Sud. Au score final, les Mourabitoun 2, les Lions de la Teranga 0. Des Lions qui ont même frôlé la correction. Connus pourtant comme roi de la jungle, mais seulement cet après-midi-là, le seul roi et le nouveau maître de cette jungle étaient les Mourabitoun. Reste maintenant à consolider les acquis et mettre tout en œuvre pour que cette flamme de joie ne s'éteigne jamais. À présent, nous vous invitons à cette occasion, M. Moussa El Khairi, premier vice-président de la Fédération mauritanienne de football. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Moussa, vous venez de suivre ce reportage. Que représente pour vous ce succès historique réalisé par notre équipe nationale?
Écoutez, ce succès représente pour nous certainement d'abord, c'est pour nous une satisfaction morale du devoir accompli. Tout à fait. Et c'est pour nous aussi le début du commencement, parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que d'ores et déjà nous avons franchi une étape. Et aujourd'hui, le vrai travail va commencer. Aujourd'hui, la Mauritanie est devenue un pays certainement de football. Nous n'avons plus rien à envier à nos voisins, que ce soit nos voisins du nord ou du sud. Nous revendiquons la même technicité, le même savoir-faire et certainement les mêmes talents. Donc, pour nous, c'est d'abord un fait aujourd'hui où il faut compter avec la Mauritanie dans la sous-région et dans le monde. Mais aussi, je ne le dirai pas assez, c'est le début du commencement. Dans ce sens, j'appelle les hommes d'affaires et les promoteurs à soutenir massivement l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale sans soutien ne peut pas prétendre à des résultats, parce que le football, c'est avant tout une affaire de gros sous. Tout à fait. Après avoir transcendé cette phase difficile de préparation de la chaîne des locaux, quel est le défi à venir que notre équipe doit relever? Écoutez, le défi à venir, c'est la chaîne de Pretoria en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est d'abord représenter dignement la Mauritanie, c'est consolider cet acquis, c'est représenter dignement tous les Mauritaniens, et c'est pour nous une mission et un devoir, j'allais dire. Donc, nous travaillerons d'arrache-pied et nous savons qu'on a d'ores et déjà le soutien des pouvoirs publics, le soutien du gouvernement. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le soutien de tous les Mauritaniens, de tous les décideurs, tous les promoteurs et de tous les hommes d'affaires doivent être soudés derrière l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, c'est un peu le pays, c'est son prestige. Et voilà. Et M. Moussa, comment comptez-vous préserver ce grand acquis? C'est en travaillant sur le travail pays. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 ans, cette fédération s'est donnée comme challenge de hisser le football national au haut niveau. Aujourd'hui, nous avons réussi en partie en Paris, c'est celui de la qualification. C'est d'abord une première historique pour la Mauritanie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 60 ans, la Mauritanie n'a jamais connu une compétition continentale, en tout cas. Aujourd'hui, c'est fait, et il est aujourd'hui question de consolider et d'être comme les autres, de gagner, pourquoi pas, la chaîne. De représenter demain, à terme, de représenter la Mauritanie dans des phases finales de Coupe du Monde, pourquoi pas. Donc ça, nous savons que c'était possible et nous l'avons réussi. Aujourd'hui, avec le soutien et l'appui de tous les Mauritaniens, j'insiste là-dessus, et en travaillant à la base, nous allons réussir, Inch'Allah, ce pari. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Moussa Al-Khairi, et merci à l'équipe Mourabitoun et à la Fédération Nationale de Football. Merci. Le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, M. Ahmed El-Bahia, a exhorté les responsables régionaux des établissements d'enseignement et de formation professionnelle de Guidimara à intensifier les efforts pour que les prestations de leur établissement soient au niveau des exigences de l'époque. Le ministre d'État leur a rappelé la place qu'occupe l'enseignement dans le développement des sociétés. Compte rendu de ces récidivés. Au Guidimaka, le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique a visité plusieurs établissements du fondamental et du secondaire, en plus du centre de formation professionnelle de Célibabi. Objectif, s'assurer de l'état des édifices éducatifs en environnement et en cadre qui déterminent et contribuent, entre autres, à la promotion d'un enseignement de qualité. Ahmed El-Bahia a aussi tenu des réunions au siège de la wilaya avec les élus et les responsables pédagogiques, ainsi que les notables et les parents d'élèves en présence du wali, réunions au cours desquelles il a passé en revue la situation générale de l'enseignement et les réalisations accomplies par l'État, ainsi que les politiques suivies pour développer et moderniser le secteur. Il a précisé que l'enseignement a connu une transformation qui s'est répercutée positivement sur le taux de réussite aux examens nationaux au cours des 3 dernières années. Le ministre d'État a affirmé que l'État a créé 13 collèges techniques dans les capitales des wilayas, et ce, avec l'augmentation de la capacité d'absorption des centres de formation et de perfectionnement professionnel, tant au plan de la quantité que de la qualité. Évoquant le manuel scolaire, le ministre d'État a indiqué que l'État a offert au cours de l'année écoulée plus de 2,5 millions de livres répartis sur toutes les écoles présente sur le territoire national, en plus de la distribution de 60 000 tables scolaires.
Prenant la parole à son tour, le wali de Guidimaka, Mohamed Oulkahel, a souhaité la bienvenue au ministre d'État, soulignant que cette visite y sera sans aucun doute l'action de ce département et contribuera à identifier les problèmes dans les établissements ainsi qu'à trouver des solutions aux dysfonctionnements qui entravent l'action pédagogique dans la wilaya. Pour sa part, le maire de Célibabi a salué le sens de cette visite, ce qui prouve, a-t-il précisé, que l'État est très attentif aux préoccupations des citoyens. Et enfin, le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, Ahmed Oulbahia, a été l'invité de la station régionale de Radio Mauritanie. Au cours d'une émission en direct, il a répondu à nombre de préoccupations des populations, notamment des parents d'élèves. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Elbouili, a tenu une réunion à Nema avec les autorités administratives et les élus locaux. Au cours de cette rencontre, le ministre a fait la lumière sur les efforts consentis par notre pays sur instruction du président de la République pour réaliser un développement équilibré et rendre disponibles aux citoyens les fondements d'une vie décente. Retour à ces récits du pays. Devant les populations, cadres, notables, élus de la wilaya du Haut-Déchari, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a passé en revue le bilan de l'action gouvernementale qui se caractérise par la réalisation de plusieurs projets au profit des citoyens. À cette occasion, Mohamed Oulbouilil a souligné que le but de sa visite s'inscrit dans le cadre des instructions données par le président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui a instruit les membres du gouvernement à aller à la rencontre des populations pour s'informer de leurs préoccupations et difficultés afin de leur apporter des solutions appropriées. Au cours de cette réunion, le ministre a rappelé que l'État mauritanien se porte bien, les libertés publiques et individuelles sont garanties et chacun peut les exercer sans aucune forme d'entrave. Au plan politique, Mohamed Oulbouili a indiqué que les résultats du dialogue national entre la majorité présidentielle consolidée et certains partis de l'opposition a permis d'élaborer des textes de loi objet des recommandations des participants à ce dialogue. Et au plan économique, le gouvernement a réussi à rétablir les grands équilibres macroéconomiques, a dit Mohamed Oulbouilil, ce qui a permis d'aboutir à des résultats appréciés par les partenaires techniques et financiers de notre pays. Début aujourd'hui à la grande mosquée de Nouakchott d'un concours au profit de 1000 jeunes candidats issus de toutes les wilayas du pays dans le domaine des sciences religieuses. Ce concours qui doit durer une semaine couvrira la récitation du Coran, du Hadith, le Fiqh Malikite, la Sunna et pour la première fois la langue arabe. Abdelrahman Hamad. Ces concours, organisés traditionnellement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'occasion du mois béni de Ramadan, portent sur la récitation du Coran, les hadiths, le fiqh des rites malikites, la sirah, en plus de la langue arabe. Il a pour objet d'encourager les jeunes à apprendre le Saint-Coran et les sciences de la sharia. Ouvrant les travaux de ce concours, le directeur de l'orientation islamique a mis l'accent sur l'importance de ce concours, précisant que des jurys spécialisés composés de 6 personnes assureront le déroulement de cette compétition. S'adressant aux membres des jurys, M. Mohamed Abdallah Ibn al-Mustaf les a exhortés à veiller à la transparence et à l'égalité des chances des concurrents. Le concours auquel participent plus de 1000 personnes sera couronné par la distribution des prix aux 3 lauréats de chacune des sciences islamiques qui font partie de cette compétition. Le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement original a tenu également une visite dans la ville d'Agjoucht, au cours de laquelle il a supervisé plusieurs activités religieuses dans le cadre du mois béni du Ramadan. Le ministre a tenu une réunion avec les cadres élus et notables de la wilaya, au cours de laquelle il a mis en exergue les réalisations accomplies par son secteur. Moussa Ndiaye. Ces colloques de la wilaya de l'Inchiri du mois du Ramadan s'inscrit dans le cadre des activités de ce mois béni en vue de sensibiliser les imams des mosquées et chefs de mahadra sur l'importance du rôle du mois du Ramadan qui n'est qu'une école pédagogique et sociale. Dans son intervention, M. Ahmed Ounini, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a saisi cette occasion pour passer en revue les différentes réalisations qu'a connues son département. Quant au secrétaire général adjoint de la Ligue des Ulamas de Mauritanie, M. Lemrabotr Mohamed Lemine, a mis l'accent sur l'importance de ces colloques qui vient, ajoute-t-il, compléter plusieurs actions de leur structure.
En marge de ce colloque d'Agjoujte, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ounini, a supervisé plusieurs activités liées au mois béni du Ramadan, où il s'est rendu dans certaines mahadras de la wilaya pour évaluer le niveau des uns et des autres. Cette visite du ministre dans la wilaya de l'Inchiri a été marquée par la distribution de produits alimentaires de première nécessité aux populations les plus pauvres. Dans le cadre de la campagne de mobilisation et de sensibilisation sur le plan directeur régional de l'aménagement du territoire dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Baya Bokar, s'est réuni avec les habitants de la wilaya du Madardra. Il a discuté avec eux les mesures d'urgence prises pour mettre fin à leur souffrance suite à l'urbanisation anarchique. Compte rendu cette fois-ci de Charles Zeynales. Dans le cadre du lancement du schéma régional de l'aménagement du territoire, objet de la tournée qu'effectue depuis quelques jours le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya du Trarza, M. Babokar Yaya a tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus et les populations de la Muqataa de Mederdra. Cette réunion était destinée à sensibiliser les habitants de la Muqataa et leur expliquer les principaux objectifs de cette orientation politique et économique, dont l'un des principaux objectifs est de mettre fin à la sédentarisation anarchique. La Muqataa de Mederdra est réputée pour l'anarchie de la sédentarisation. On compte une vingtaine de localités le long de la route Tigint-Mederdra, peuplée en moyenne de quelques dizaines d'habitants par localité. Lors de sa réunion avec les habitants de la Muqataa, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Babokar Yaya, a mis l'accent sur la nécessité de regrouper le maximum de localités afin de faciliter la mise en place de services socio-économiques de base et créer de véritables pôles de développement qui participent au développement de la zone et à l'épanouissement de sa population. M. Babokar Yaya a souligné que son département est déterminé à rompre avec les vieilles habitudes hostiles au développement et a introduit un schéma d'aménagement du territoire qui est en cours d'exécution au niveau de la wilaya du Trarza et qui sera généralisé plus tard à toutes les muqataa du pays. La réunion du ministre avec les populations a été l'occasion d'échanger les points de vue sur une restructuration de la ville de Mederdra qui prenne en compte son lotissement qui date de la période coloniale mais qui est bien organisé et bien fait. Le ministre qui s'adressait aux populations les a exhortés à se diriger massivement vers les centres d'accueil des citoyens pour s'enrôler sur le registre des populations des titres sécurisés, retirer leur carte nationale d'identité et participer aux futures échéances électorales. À Mederdra, toujours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est rendu dans le centre de santé de la Muqataa. Sur les traces du président de la République, qui s'y est rendu il y a moins de 3 semaines, M. Babokar Yaya a visité les différents services de cette structure sanitaire, dont les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement démarreront incessamment conformément aux directives du président de la République. Le ministre du Développement rural a quant à lui passé en revue devant les populations de Kifa le bilan des réalisations du secteur qui se sont répercutées de façon claire sur les récoltes qui ont dépassé tous les pronostics. Le ministre a souligné que cette amélioration est redevable à la nouvelle politique de l'État dans le domaine du développement et de la rationalisation des deniers publics. Mohamed El-Zamza. La rencontre organisée à l'hôtel de ville de Kifa a réuni avec le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Lumbar Mohamedoul Mokhtar, les populations de la wilaya de Rasaba ainsi que les différentes structures régionales de son département. La réunion, qui s'est déroulée en présence des ministres de l'Équipement et du Commerce, a été l'occasion pour le ministre de passer en revue l'ensemble des programmes de son département mis en œuvre afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ainsi qu'un accent particulier a été mis sur les couches les plus défavorisées à travers des activités génératrices de revenus et programmes de nature à améliorer leur cadre de vie. Le ministre du Développement rural a passé en revue le rôle positif joué par les programmes ML et Solidarité, ainsi que les distributions gratuites des vivres initiées par le commissariat à la sécurité alimentaire en direction des populations rurales. En plus de la distribution de parcelles de terre dans les zones de Tarhil, sans oublier les efforts enregistrés dans le domaine de l'éducation et la santé. Ibrahim Lumbar Mohamedoul Mokhtar a souligné au passage les efforts entrepris par son département dans le domaine de l'irrigué, la protection des cultures à travers la disponibilisation des grillages et l'introduction de la culture de blé, la réhabilitation et construction de barrages et la santé animale pour ne citer que cela.
De son côté, le maire de la commune de Kifa a prononcé un mot dans lequel il a loué l'importance de cette visite. Le Wali de la Saba a quant à lui enregistré le nom des différents intervenants qui ont salué la politique du gouvernement dans les différents domaines avant de poser les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité récemment un certain nombre de chantiers de forage et de puits artésiens pour renforcer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Guérou. Le ministre a à cette occasion écouté des explications techniques présentées par les équipes supervisant les travaux au sujet des différentes phases d'exécution de ces forages. Malikam Tenakli. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Amin Oulaboïlou Cheikh Hadrami, a effectué une visite d'information aux travaux de réalisation de forages de puits dans la région de Guérou visant à disponibiliser l'eau potable aux habitants. Cette visite s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux de forage de puits sont réalisés afin de combler le déficit et la rareté de l'eau dans cette zone. Le département de l'Hydraulique mène une campagne de forage de puits pour améliorer la production d'eau pour satisfaire totalement les besoins en eau de la population. Le forage d'un puits produit 30 mètres cubes d'eau. Nous souhaitons que l'opération se poursuit et ce, dans l'attente du grand projet d'adduction en eau potable des deux villes, Guérou et Kifa, qui seront alimentées à partir du barrage de Fungleta. Cette opération de forage de puits devrait à terme permettre de trouver une solution à la pénurie cruciale d'eau dans cette région, à la grande satisfaction des populations. Toujours dans le cadre des visites effectuées par les membres du gouvernement à l'intérieur du pays, le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu au Brakna pour s'enquérir de la situation alimentaire générale au niveau de cette wilaya. Plus de précisions avec Moussa Ndjen. À l'Aigle, la capitale régionale de la wilaya du Brakna, est l'une des étapes de la visite du commissaire à la sécurité alimentaire, M. Ahmed Dour Mohamedou, en vue de s'informer non seulement sur la situation des populations de différentes localités, mais aussi aborder avec les citoyens les grandes réalisations qu'a connues son secteur à travers les actions du gouvernement mauritanien visant à améliorer les conditions de vie des populations. Dans un mot prononcé face aux habitants du Brakna, M. Ahmed Doul Mohamedou, commissaire à la sécurité alimentaire, n'a pas manqué de souligner la réussite du programme ML 2012 qui vient soutenir les franges de la société le plus nécessiteuse. Quant au Wali du Brakna, M. Isselmou Wilsidi a précisé que deux actions ont été menées pour alléger la pression sur les nécessiteux de la wilaya. Ces deux actions, dit-il, sont Vivre contre travail et ML 2012. De son côté, le maire d'Aleg, M. Mohamed Oulahmed Challah, a saisi cette opportunité pour présenter quelques pistes qui seront utiles à l'avenir pour les habitants de sa commune. D'autres intervenants, au nom des populations et de la société civile, ont dit que des étapes importantes ont été franchies, mais il reste encore d'autres dispositions à prendre pour répondre aux exigences des citoyens. Entre les acteurs du développement local au Brakna et les principaux responsables du commissariat à la sécurité alimentaire, à travers les résultats de cette rencontre, quelques pistes se dégagent afin que chaque partie puisse surmonter ses difficultés. Début aujourd'hui à Nouakchott d'une formation des prestataires de santé sur l'utilisation de la ventouse obstétricale et la pratique de l'aspiration manuelle ultra-utérus organisée par la cellule de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OMD sanitaires. La rencontre d'une durée de 10 jours a pour objectif de renforcer les compétences des prestataires de santé par leur initiation aux techniques modernes d'accouchement afin de réduire les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Ouvrant la rencontre, M. Mouhtar Oulhindi, secrétaire général du ministère de la Santé, a précisé que l'utilisation de la ventouse obstétricale et la pratique de l'aspiration manuelle ultra-utérus a largement contribué à la diminution des taux de mortalité maternelle et infantile.
L'ONG de la Da'wa islamique a organisé aujourd'hui une cérémonie pour la remise de la première tranche de ses dotations financières accordées à un collectif des orphelins de Nouakchott qu'elle prend en charge. La première tranche de ses assistances, qui porte sur 16 millions d'ougiyas environ mobilisés en partenariat avec certaines personnes de l'État frère du Qatar, a profité à 228 orphelins. Cette assistance s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République visant à venir en aide aux franges et démunis de la société. L'organisation des jeunes du parti Tawassul a organisé hier soir à Nouakchott un meeting de solidarité avec le peuple égyptien. La direction des jeunes du parti a souligné être en faveur de la légalité en Égypte, réaffirmant que l'arbitrage final appartient aux urnes qui ont tranché. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains membres de la direction du parti, de plusieurs invités des différentes formations politiques de la place et d'un grand nombre de militants et de sympathisants du parti. Le président de l'organisation des jeunes de Tawassul, M. Mohamed Vadl Al-Mukhtar, a salué l'équipe nationale pour sa prestation et félicité le peuple mauritanien pour ce succès mérité. Le conseil de la communauté urbaine de Nouakchott a tenu une séance extraordinaire sous la présidence de M. Ahmed Al-Hamza, président de cette communauté. Au début de la séance, le président de la CUN a passé en revue ce qu'il a considéré comme étant les efforts présentés par cette communauté pour servir le développement de la ville de Nouakchott et ses populations les plus nécessiteuses. M. Ahmed Al-Hamza a, au cours de cette rencontre, éclairé l'opinion publique au sujet de la gestion administrative et financière de la communauté urbaine de Nouakchott, soulignant que les décisions doivent être du ressort du conseil de la communauté et que le président est seulement chargé de les mettre en œuvre. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les éléments de l'équipe nationale de football et les félicite pour le succès mérité qui a honoré tous les Mauritaniens. Démarrage du grand concours Ramadan dans les sciences du Coran, du Hadith et de la Sira au profit de milliers de candidats. Poursuite des visites sur le terrain de certains membres du gouvernement pour s'enquérir sur l'état des citoyens à l'intérieur du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à demain, Inch'Allah. Mesdames et messieurs,